Il y a quelques jours, Diane décédait sous les coups de son mari, suscitant l'indignation totale. Seulement, il faut savoir que la situation est bien plus grave. Le Cameroun comptant désormais plus d'une trentaine de décès qui portent dans leur ensemble l'estampille des violences basées sur le genre. Raison pour laquelle le gouvernement camerounais est monté au créneau en lançant aux côtés du monde, mais surtout pied au plancher, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre par une marche sportive. C'était ce 25 novembre à Yaoundé avec un message. Vous devez retenir que les violences faites aux femmes sont un abus des droits de l'homme. Et quand vous êtes victime d'une violence, il faut briser le silence. Il faut dénoncer. Ne gardez pas le silence. Et nous ne vous encourageons pas à être violentes, les femmes. Parce qu'il y a des situations où vous provoquez vos compagnons, vos maris, vos conjoints. Vivez dans la courtoisie, dans l'amour, un respect mutuel. Ainsi, du palais des sports, en passant par la montée en roue jusqu'au boulevard du 20 mai, les femmes issues de la société civile, du système des Nations Unies, des institutions gouvernementales ont battu le pavé, brandissant les pancartes rappelant le mal que causent les violences basées sur le genre à notre société. Parmi celles-ci, la Kaïjek. Il y a quelques jours, on a tué une employée domestique. Elle est allée à son lieu de service et elle a été tuée par son patron et jetée dans un puits. Nous disons non à ça, trop c'est trop. Il y a quelques jours, l'enseignante a été tabassée à mort par son mari. Nous disons non à cela, trop c'est trop. Non, nos hommes, nous les aimons, mais nous ne les aimons pas pour être malades, pour être tabassés, pour être tués. Nous les aimons pour vivre dans la paix et dans l'amour. Le chemin est donc désormais balisé pour que du 25 novembre au 10 décembre prochain, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, qui cette année ont pour thème investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, portent les fruits escomptés et stoppent par là même les crimes liés aux violences basées sur le genre, laissant la place à la cohésion, l'amour, la fraternité, que prône la marche sportive dans ses fondamentaux.